Salut, c'est le game encore, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de Portal. Et nous voilà sur Portal, on va voir enfin ce que c'est la surprise. Peut-être qu'on va s'échapper avec le petit robot à l'œil bleu, donc on va voir ça tout de suite. Exécution surprise dans 3, 2, Quoi, elle va nous 1. tuer? J'ai tout inventé. Il y a des confettis. Surprise. Ouais! Allons donc. Si cela peut vous rassurer, ils vous ont abandonné à la naissance. Je doute qu'ils aient envie de vous rencontrer. Ah, c'est ses parents. Je peux passer? Ah oui. Ok, bon allez, on va commencer. Un portail là-bas. Un portail devant. On appuie. Ça va arrêter le... C'est bon, ça les a arrêtés. Maintenant, je vais aller là-bas. Je vais prendre le cube. Le cube, c'est bon, je l'ai pris. Allez, de ce côté. Voilà, on va faire comme ça. Je repasse par l'autre côté. Je pars dessus ça. Je prends ce cube là. Voilà. Et je le crame. Voilà, il n'y a plus la tourelle. Maintenant. Je vais me servir du laser de ça pour faire comme ça. Je suis vraiment désolée pour cette surprise. Tenez, vous savez quoi? Nous allons appeler vos parents. Les parents biologiques que vous essayez de joindre ne vous aiment pas. Veuillez raccrocher. Les parents C'est biologiques. triste, mais N'importe impressionnant, quoi. avouez. Peut-être qu'il travaillait dans les télécoms. J'ai passé 10 minutes sur cette sur ce test-là. Incroyable, j'arrivais pas à comprendre. Comment ça va? J'ai réussi à Putain. intégrer l'équipe de Nanobots qui reconstruit la cage. Ils sont vraiment minus, donc je sais, Jerry. Non, mec, je fais une pause là. Une pause. Ah! 5 petites salles et c'est. Hein? Tu vas pas me renvoyer pour ça? Oui, Jerry. Ou alors peut-être que ton chantier n'a pas les infrastructures pour un nanobot de ma taille. C'est de la discrimination, Jerry. On se reverra au tribunal. Enfin bref, 5 petites salles et c'est bon. Vous connaissez la formule. La comédie, c'est la tragédie plus le temps. Or, vous avez passé très longtemps en cryostase. Donc, Ouais. la situation est au final plutôt drôle. Et toutes les tourelles qu'il y a là-bas. Faut que je les détruise avant d'y aller. On va aller là pour voir. Qu'est-ce que c'est? Ok. Là, on a un laser. Donc. Parce que. Non, je peux pas les toucher. Je vais tirer sur ça pour voir ce que ça fait. Ok, ça fait rien. Ah, mais en haut, il y avait un truc. Ok. Hop. Ça déjà. Voilà. Donc. Voilà, et on tire en haut. Donc ça, c'est en bas. Voilà. Maintenant, il faut faire en sorte que le laser vienne jusqu'ici. Lui là. Ça. Le cube, on le prend. On le met en haut. Il saute. Il arrive de l'autre côté. Maintenant, à mon tour.
Donc, je fais ça. Il faut que je retire après parce que sinon... Voilà, j'y suis arrivé. Maintenant, je vais tirer sur lui. C'est bon. Maintenant, il faut que je reparte. Voilà, je vais aller en haut. Hop, je vais tirer sur les tourelles pour les détruire. Ça m'ouvre un pont. Maintenant, il faut aller sur le pont. Donc, on va tirer un truc en haut là qui va m'envoyer sur le pont. J'ai réfléchi à notre dilemme et je pense avoir trouvé une solution qui conviendra à au moins l'un d'entre nous. La loi fédérale m'impose de vous avertir que la prochaine salle de test a une super déco. D'accord. Et oui, le centre est redevenu opérationnel. Oui, il y a tout qui est en état en fait. Je me sers de des lasers. Là déjà tu vas avoir un laser là. Voilà. Sur celui-là, je regarde bien parce que c'est trop bizarre ça. Voilà, et lui, comment on pourrait essayer? Voilà, et je fais ça. Normalement, ça doit s'ouvrir là. Voilà, ça a été facile. Ça change des deux épreuves de tout à l'heure. Je trouve que ces salles de test ont encore plus fière allure qu'autrefois. Mais je n'ai aucun mérite. Il suffisait d'être un tant soit peu objectif et d'éliminer le superflu, voilà tout. Une bonne déco. C'est une déco simple. À l'issue de ce test, j'aurai une surprise pour vous. Encore ? Pas une fausse surprise tragique comme la dernière fois. Une vraie surprise dont seules les conséquences sont tragiques. Et des confettis. Des vrais, notre dernier sac. Dans un sens, ils vont me manquer. Mais ils prenaient la poussière. C'est bizarre ça. Les derniers vont nous tuer, tu sais quoi. Alors. On a ça là. Ben voilà, on va faire un pont ici. Pour aller jusqu'au bouton qui va nous faire tomber le cube. D'ailleurs, ça nous fait la sortie. C'est le portail bleu que j'ai utilisé. Hop, on appuie sur ça et on va le prendre. Que se passe-t-il? Qui a éteint la lumière? Hey, Paris, je pars dans un accent. Pourquoi il parle d'un accent canadien? Tu sais, boule de métal, je t'entends. Vite, on oublie l'accent, on pourrait. Je cours où? Ah, voilà. C'est par où? Alors, pour rappel, on essaie de s'échapper. Là, maintenant. Alors, on court. Débriefing rapide sur nos plans. Il faut qu'on stoppe la chaîne de production de tourelles, qu'on désactive ses neurotoxines, et après, on pourra l'affronter. Mais je le répète, pour l'instant, courez. Je cours au maximum. Quand je pense que vous étiez quasiment au dernier test,
Voilà, allez-y. Essayez. C'est plus facile que le plan insensé de votre ami. Vous allez où? Dites, vous allez où? Tiens, regardez. Un cerf. Rapprochez-vous si vous ne me croyez pas. Ah mince. Non, il y a des gaz. Je suis par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je pense que vous étiez quasiment au dernier test. Ah, je suis mort en fait. Voilà, allez-y. Faut pas que j'entre là-dedans. Essayez. C'est plus facile que le plan insensé de votre ami, vous pouvez me croire. Mais je rêve. Elle nous prend pour des idiots. Oh. Je continue, je continue. Allez. Encore un chargement. Cours. Allez, allez. J'y vais, j'y vais. Si je peux pas courir. Je ne sais pas faire, apparemment. Ah, des tourelles. Par où je passe? Putain, il y a un portail là. Là. J'atterris où là? Voilà. Tout va bien! Génial! Allez! On continue. Par ici, par ici! Pourquoi il a pris un accent Kennedy? Je cours, je cours! Je vais pas me tirer dessus. C'est bon. On s'en est sorti. Voilà. Je peux toujours pas courir. Je saute, je saute. Ah. Je monte tout là. Oh non, je suis mort. Tout va bien, génial, allez. Oui. Donc cette fois-ci, comment on fait? Et là je fais quoi? Ah, dans l'ascenseur. Et moi j'ai continué. Ok. Oh, l'écrasement. Ok. La porte. Oh. Il va y avoir un petit chargement. Voilà. Chapitre 5. On va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas le like, le commentaire, de me suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Hey Paris, je pars dans un accent qu'on peut pas entendre.